l'importance des commentaires utilisateurs, de l'écoute des utilisateurs pour la maîtrise de cette mRéputation est un élément essentiel qui est ressorti. Et puis, je dirais, il y a deux anecdotes qui, à mon avis, témoignent vraiment de cette importance et qui sont ressorties ce matin. Le premier, c'est la Banque Postale qui nous a parlé de ses utilisateurs qui disaient, bah, finalement, tant qu'il n'y a pas le Touch ID, moi, votre application, je ne l'utiliserai pas. Et qu'on a appelé finalement un nouveau concept. On avait la Killer Feature et maintenant, on a la Must-Have Feature. Et si je n'écoute pas les utilisateurs, bah, je ne peux pas le savoir. Ça, je pense que c'était un très beau témoignage de l'importance de la mRéputation et de l'écoute de la mRéputation. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est Voyage SNCF qui a évoqué le sujet, c'est de dire que finalement, une stratégie mobile, c'est avant tout une conviction d'entreprise. C'est une démarche produit, c'est une volonté d'aller chercher un marché, d'aller chercher des utilisateurs. C'est ce qui drive avant tout l'application mobile. Et la mRéputation, bah, c'est la rencontre entre cette stratégie et les utilisateurs par l'écoute de ce que disent les utilisateurs. Et c'est bien cette écoute de la mRéputation corrélée à cette stratégie qui va faire la réussite de l'application mobile.